j'espère que vous allez bien. Bonjour Miro. Yo Miro. Oh la vache. C'est bon de taper sur le bureau les amis, franchement, chez vous, faites-le. Vous allez voir, ça fait du bien. Bon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de RimWorld, j'allais dire de Tête 4, mais non, ça c'est pas le même jeu. J'espère que vous allez bien, on se retrouve donc pour un nouvel épisode. Épisode au programme. Alors, on a pas mal de trucs à faire. Là je vois que, on s'était quitté sur l'épisode précédent, il pleuvait. Corde. C'est l'orage. Tempête pluvieuse. C'est clairement allumé des feux qui seront éteints par la pluie, qui réduit la vitesse de mouvement et la précision au tir. Eh oui. Eh oui, il ne fait vraiment pas beau. Mais c'est la nuit. Nous avions dans l'épisode précédent un petit peu terminé d'une certaine façon de réemménager une partie de la base. Donc, là j'avais mis des... Ici, là, on avait fait j'avais fait des petits plans pour la suite des constructions. On avait secouru capturer Navarro. Navarro qui est un nouveau personnage qui va rejoindre a priori l'équipe et qui va faire de la recherche pour nous. On avait eu des petits soucis de bouffe dans l'épisode précédent, mais ils sont réglés. Ça a tenu. Ça a tenu. Par contre, on a un petit souci. C'est que nos petits chiens, ils n'ont plus grand chose à manger et Marigold, notre femelle husky, est enceinte. Donc elle va nous faire encore une petite portée de husky. Elle va nous faire encore une petite portée de husky. Ce qui fait que, va falloir les nourrir, tous ces braves bêtes. Donc, je suis dans l'indécision, à savoir est-ce que je vais pas les tuer. Non, c'est pas ça que je vais vous dire. Ça serait assez affreux quand même, je pense. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire, quoi. Parce que. Alors attendez, Duarte, c'est vrai que je m'en suis pas occupé. Mais je crois qu'il a pas de pantalon. Non, c'est ça, il a pas de pantalon. Les amis, il faut nourrir toutes ces bestioles. Pour le moment, à part les carcasses là, de ces chers animaux. On n'a pas de quoi refaire de la... Alors, ils vont pouvoir se remettre à faire des croquettes. Mais pour le moment, c'est pas trop le cas. Donc, ceci étant dit, on va peut-être attendre... Alors, j'allais dire que la pluie s'arrête, mais en fait, je pense que ce qui pourrait être pas mal dans un premier temps, c'est d'emménager ici. Alors, en fait, voilà. On va faire ça en grès. On va faire ça en grès et je vais suivre les plans de construction. Tac, tac. Là il doit le miner, ok. Ok. On va suivre les plans de construction. On va emménager toute cette zone là et ensuite on fera les couloirs, on réinstallera les chambres, etc. etc. Allez, c'est parti, on accélère un petit peu le temps. Normalement, tout va bien. Il faudrait qu'ils se mettent à faire des... Ah c'est bon, ils se remettent à faire des croquettes. Donc ça c'est bien. Les croquettes, on va tabler sur du... Attendez, on va faire comme ça. Hop. Le bruit de la pluie est extrêmement fort. On va tabler sur du 500. Sur du 500 croquettes. Je pense que 500 croquettes c'est pas mal. Le problème pour les croquettes c'est qu'il nous faut à chaque fois de la viande. Et que
qu'on n'a pas forcément des ressources infinies de viande. Il y avait donc dans les commentaires des épisodes précédents quelqu'un qui avait dit éventuellement de faire des cochons. Par exemple, c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais je me demande si... Alors je suis pas sûr qu'ils mangent l'herbe à foin, mais bon. Après, je sais qu'ils peuvent manger par exemple les patates ou autre. Même éventuellement, je peux mettre un autre champ ici et leur donner l'accès à ce champ pour qu'ils aillent manger dedans. Tiens, je vais faire ça. On va faire ça. Zone agricole, ça mange pas de pain, comme on dit dans le jargon. Alors ça y est, la tempête est terminée, ça c'est cool. Le champ, on va le mettre ici. Tac, un deuxième champ de patates. Ça, on va le réinstaller ailleurs. Par exemple, ici. Attendez, où est-ce que je vais le mettre ça, tiens? Ouais, on va le mettre là. On va le mettre là, c'est bien, je pense. Donc ici, champ de patates. Les 100 patates. Nos animaux. Étendre zone autorisée, zone animale. On va les autoriser. Voilà. À se rendre jusque là. Zone animale. Tac. Comme ceci. Voilà. Ça me semble plutôt bien. Ce qui va permettre à nos chers animaux donc de se nourrir. Ouais, c'est bien. Ça va leur permettre de se nourrir à même le champ. Ce qui peut être cool. Donc, structure mur en grès. On va faire un mur ici, puisque je vois qu'ils ont fini là. Ici. Pourquoi j'avais laissé un espace vide? Voilà, je pense que c'était pas forcément voulu. Tac. Miner. On va miner ça. On va même miner tout ça. Hop. Ainsi que ici. On va tout faire. Hein, on est des fous. On va miner. On a la portance. Donc tout va bien. Ok, tout va bien. Est-ce qu'on a du métal encore? Du métal, 112, c'est correct. On a encore 7 composants. Ça, je sais qu'on peut en récupérer. Alors, il y en avait un petit peu ici, mais c'est pas forcément celui-là qui va nous intéresser. Hop, tac. On va voir. Est-ce que... Il me semblait qu'il y en avait un... Il y avait un endroit où il y en avait beaucoup. Où il y a une éclipse? Non, c'est 21h. Lol. Il me semblait qu'il y avait un endroit où il y en avait beaucoup. C'est là? Non, c'est pas là. Oh, purée, il y a le feu. Oh non! Ok, vous savez quoi? Zone de base. Au feu! Go! Parce que sinon ça va griller tout le bois qu'il y a là, c'est pas le but hein, franchement. Donc on envoie les pimpons. Il me semblait. Oh. Là il y avait du plastacier, c'est ça? Ouais, c'est du plastacier compacté. Bon, je sais plus où c'est, on finira par retomber dessus. Pour le moment on n'en a pas un besoin. Un besoin urgent. C'était peut-être dans la base directement. Je sais plus. Écoutez. S'il faut, je suis passé au-dessus et je l'ai pas vu. Ma foi, c'est pas très grave. Donc là, ils sont tous partis éteindre le feu normalement. Structure. Hop, on va poser les murs ici. Ils ont du boulot là. Hein. Concrètement, ils ont du boulot. Ils sont partis éteindre le feu. Ouais. Allez, pas vous brûler quand même. Allez les gars.
You can do it. Allez les gars. Ah c'est bien ça, ils ont isolé un foyer ici. On va pouvoir l'éteindre. Par contre Contreras il est un peu en train de se faire encercler par les flammes hein. On peut pas faire le mec. Allez go go go. Faut éteindre là hein. Faut éteindre. Il faut éteindre tout ça. Au feu, risque de démence mineure. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Allez, allez, allez. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a une vague de chaleur, génial. Parfait. Retirer zone de base. Hop, voilà. Une vague de chaleur. C'est bien notre veine, ça, tiens. Du coup, ça, on va l'éteindre. Ça aussi. Parce que là, concrètement, sinon, pardon, ils vont griller. Hein. Ils vont griller, ils ont du taf. Ils ont du taf. Donc on va les laisser bosser. Là ça mine. Lui il pose les murs. Parfait. Donc je détruirai après ce qu'il faut détruire. Pour le moment on laisse comme ça. Est-ce qu'ils ont construit le pantalon selon vous? Tâche. On n'a pas l'impression. Dès que je revois un peu les priorités parce que j'ai l'impression que... J'ai l'impression que ça va pas trop. Oui, ils vont se coucher. Il est 13h. What? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire la sieste? Alors attends, 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 tu sais quoi? Prisonnier, dialogue amical. Voilà, juste. Pour le moment, on va pas tenter de le. Non. Non, Gundozer. Ah, il continue ce qu'il est en train de faire. Vous allez voir qu'il va réussir à le recruter, ce spec. Non. C'est bien. Reste en dialogue amical avec lui. Donc, on va les laisser planter les patates. Est-ce qu'ils ont faim, besoin? Non, ça va. Bon, ils ont encore des croquettes. Les croquettes. L'herbe à foin, information. Un mélange d'herbes riches en nutriments qui donne de grandes quantités de foin. Le foin est comestible par les animaux, mais pas pour les humains. Donc ça, c'est bien. Une fois qu'on aura récolté l'herbe à foin, 58%, c'est pas pour tout de suite. Mais une fois que l'on aura récolté l'herbe à foin, on sera un petit peu mieux. Aliments crus, végétaux, baies, fruits d'agave, maïs, pommes de terre, non. Produits animaliers, œufs non fécondés, non. Bœuf, foin, voilà. Ici le foin, on n'en veut pas. Et ici le foin, on n'en veut pas. Comme ça, ils iront tous stocker le foin ici, lorsqu'il sera prêt à être récolté. Risque de démence mineure, Duarte et H. Qu'est-ce qui leur arrive? Il a très chaud. Il fait 43 degrés. LOL. Vache. Ah oui. La vague de chaleur, elle est présente quand même, hein. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à faire un fucking pantalon? Détail. 50 ingrédients utilisables. Pourtant, ils peuvent, ils ont de quoi le faire. Hein. Pourtant, ils ont de quoi le faire. On a 29 plats simples. Lui, il vient de manger dans le frigo. Quelle température il fait dans le frigo? Il fait pas suffisamment froid. Hop, on va descendre la température cible. Parce qu'avec la température qu'il fait à l'extérieur, je vous raconte pas.
Limite, il faudrait leur mettre un climatiseur dans la base. Mais bon. Mais bon. Écoutez. On va continuer comme ça, on va bien voir. Ici, ils doivent miner normalement. Ah ouais, c'est toujours l'ordre de miner ici. Là, là. Donc je vais attendre qu'ils aient fini de faire ça. Ensuite, je pense qu'on va... On démolira les murs en bois pour tout faire en grès. Le grès qu'on a beaucoup, dont on a beaucoup de... Ouais, c'est le grès. C'est le grès. Donc on détruira les murs en bois pour tout faire en grès. Et une fois que ce sera fait, ce sera un peu mieux déjà, je pense. D'accord, ça faisait longtemps. Oh la vache. Pause. Activation. Allez, fonce, 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 fonce. Putain. Ok, il y a eu un mort. Allez, allez, flingue-le. Flinguez-le. Bim. Lui aussi, il faut qu'il meure, lui. Vas-y, encore une. Allez. Allez. Oh, il est trop loin. Oh, oh, bien joué. On va pouvoir récupérer son fusil. Ok, pause. Ah. Lui. Lui. Diplomatie, dressage, indolent, masochiste. Ouais, d'accord. Oui, bon tir, lui. Mais bon, c'est un tueur en série, donc... Il y a du luciférium. Oh la vache, il y a plein de drogues par terre et tout. Bon. Alors. Déjà, on va mettre des tombes. Le cimetière commence à être un peu grand quand même. Hein. Une tombe ici. Une tombe là. Blague. Capsule de cargo. Where? Oh, qu'est-ce que c'est? Poil de chameau. Go! Donc. Prioriser. Va me l'enterrer, lui. On va pas envoyer Contreras. Star Contreras, il est pas bien. Hein. Petite fin, pas très joyeux. Il s'est fait insulter. Il a chaud. Il a dormi dans la chaleur. Il a des vêtements usés. Il porte le pantalon d'un mort. Je te raconte pas le délire. Non, Contreras. Bon, ça va. Ça a pas l'air de le choquer de voir un cadavre. Donc, c'est cool. Les fusils, on va les récupérer. Le fusil à pompe aussi. Ah ouais, mais il est tout cassé. Oh. Ça, on récupère. Ça, on désactive. Il va falloir réparer les tourelles. La défense fonctionne plutôt bien, en tout cas, je suis content. Ça fonctionne plutôt bien. Lui, je me demande si on va pas le laisser se vider de son sang ici. Hein. Parce que... Mais il a mal et du coup il est content. Chaud ça. La massue. Ça on va le ranger, ça m'énerve, ça traîne devant. Hop, mets-toi le sang, il est par terre en train de pisser le sang, c'est n'importe quoi ce jeu. C'est n'importe quoi ce jeu. Risque de démence mineure. Sécurité, je passe devant. Tourelle improvisée, on va mettre une tourelle ici. On n'a pas assez de fer pour ça. Bon, on va le faire plus tard alors. Va m'enterrer le spec. Oh, de l'uranium ici, les gens. Ça, c'est bon ça. Ok, lui il est en train de creuser les tombes. On devrait avoir assez de tombes pour enterrer tout le monde. Il me faut du fer. Il va me falloir du fer, ça c'est minerai d'argent. Ici, il en reste un peu.
pas qui peut, métal compacté. Ils sont censés venir miner ici d'ailleurs, ils ont toujours pas fait ça. De machinerie compactée. Il me semblait aussi avoir vu, il y avait un endroit où on avait énormément de minerais de fer à récupérer. Je sais plus où c'est. Oh. De la jade, du jade. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ah mais ici il y a beaucoup de métal. Ici, il y en a beaucoup aussi. Ordre miner. On va miner comme ça sur de la longueur. Parce que on va pas creuser non plus trop vers chez nous pour éviter que. Hein, voilà, vous avez compris. Donc, on va éviter ça. Lui, vous le laissez pisser le sang. On s'en fout. Là, ils vont chercher ça. Ok, bon. Ils ont beaucoup de boulot. Hein. Risque de démence majeure. Duarte. Pourquoi? Il a toujours pas son pantalon, c'est ça? Il doit y avoir la chaleur, déjà. Très chaud, moins 10. Porte le parka d'un mort. Et ouais. Alors, il y a quelqu'un qui avait dit... Ah tiens, mais c'est une bonne idée, ça. Il est mort, lui? Non. Déshabillez-le. Ah oui, quelqu'un m'avait parlé de ça. Je déshabille le mec. Comme ça, ça évitera que... quand tu prends ses fringues... Il avait pas de pantalon ou je rêve? Ah, c'est une très bonne idée. Effectivement. Effectivement. Toutefois... Toutefois, ce cher garçon. Mais. Pourquoi est-ce que H, toi qui aimes être à poil. Attendez, je comprends pas là. Trop intelligent, nudiste. Pourquoi est-ce que tu viens mettre un fucking. Voilà. Mets-toi à poil. Je veux dire, les gens, ça les gêne pas que tu sois à poil. Pose le bonnet aussi. Voilà. Aptitude, besoin. Nudité joyeuse. Voilà. Non, mais dis donc. Et c'est Duarte, donc, qui n'a pas de pantalon. C'est ça? Chemise, bla bla bla. Ok. Bah, tant que tu viens, hop, voilà. Voilà, déjà tu devrais te sentir un petit peu mieux. Adormi, machin, parka d'un mort. Matériel. Parka. Tu la poses. Voilà. Tout simplement. Non mais dis donc. Pas croyable cette histoire là. Je peux m'occuper je crois de ce que je leur laisse porter ou non. Et ça le smoke leaf. Ça m'énerve un peu que ce soit là. Ça m'énerve un peu que ce soit là. J'aurais bien aimé qu'ils le mettent dans un coin où ils y touchent pas. Mais bon. Écoutez, c'est pas très grave. Ça, à la limite, c'est pas la fin du monde. Donc, toi, tu as des vêtements en lambeaux. Pose. Et quoi qu'il y a pas assez, ton pantalon et ton t-shirt. T-shirt en tissu. Un manteau en tissu. Bon. Écoutez, ça, je suis pas encore très bon sur ça. Sur tout ce qui est habillage. Hein, concrètement, je suis pas encore très bon. Oups là. Pardonnez-moi. Sur tout ce qui est habillage, pas de drogue, current outfit.
On pourrait éventuellement... Alors... Déshabillage forcé. Worker. H. C'est H hein, qui aime bien être à poil. Donc, nudiste. Déshabillage forcé, déshabillage forcé. Worker. Worker. On va te mettre en soldier quand même au cas où. Et c'était Duarte je crois qui était... Ouais voilà. Duarte. C'était où déjà? Assign. Duarte soldier. Voilà. Alors normalement ils ont dû du coup lâcher des fringues par terre. Faites voir. C'est quoi ça? Bah lui il est mort. Il va falloir aller l'enterrer hein. Moi oui, il manque la tête. Partie du corps manquant 8%. LOL. Je crois qu'il y a le renard là qui a dû bouffer la tête. Mon dieu, mais c'est affreux. C'est complètement, totalement affreux. Donc, normalement, ils sont censés s'habiller tout seuls, comme des grands. Normalement. Normalement. Donc toi, matériel, t-shirt, pantalon. Tâche. Deux pantalons et deux t-shirts. Ok, je vais profiter de la nuit par rapport au travail pour leur... c'est dans work. Il faut que je refasse un petit peu les priorités là parce que ça va pas du tout. Couture. Ah, mais on a un seul couturier, c'est pour ça. Et c'est H. H qui fait beaucoup de choses quand même. Au final. Donc on va mettre aussi sur le coup Contreras. Contreras qui, à part l'artisanat, le transport, fait quand même moins de choses globalement. Voilà. Parce que de la couture, ça, ils vont pas devoir en faire tout le temps. Ça, c'est cool. Les plants de coton, 61%. 77, ok, ça pousse. On a des baies qui arrivent. On est à 112 d'acier. Je vais, alors, hop, hop. Production, boucher. Forgeron à combustible, ça on n'a pas forcément besoin tout de suite. Une table servant à assembler d'assembler des machines telles que les armes ou des cadavres de mécanoïdes. Donc ça, peut-être que je vais le construire. Un laboratoire de chimie, pas tout de suite. 8 composants quand même. Hein. Atelier basique de recherche, atelier high-tech de recherche, distributeur de pâtes nutritives. Ça c'est pas mal, mais je pense pas qu'on en ait besoin actuellement. Par contre, un établi d'assemblage, ça, ça pourrait servir quand même. Si vous voulez mon avis. Ça pourrait servir. Le problème, c'est que... Je pourrais le caler là. Je pourrais le caler là. Ça pourrait être pas mal pour occuper l'espace en sachant pardon que je vais réemménager je pense ici. Je vais réemménager. Ok. Beaucoup de choses à faire. Hein. Beaucoup de choses à faire. On va s'occuper de tout ça. La défense en tout cas ça tient. On va avoir besoin de miner. Beaucoup de métal. Est-ce qu'ils sont allés chercher? Oui, j'en ai bien l'impression, ils sont allés le chercher. La laine qui est restée. Par contre, ils veulent pas miner. Ils veulent pas miner. Mine. Je pense que il va falloir que je fasse une session. On va le mettre à deux aussi, parce que c'est important. Il faut quand même qu'il se bouge un peu le derche. Je vais refaire une session gestion des priorités, je pense. Intoxication alimentaire à cause du plat simple. Ah bah bravo. Hop, ici on peut remonter. Il y a toujours la vague de chaleur. En dehors, il fait 15. Ah ça y est, la vague de chaleur vient de s'en aller. Lui, il dort par terre, carrément. Duarte a nommé Mufalo Mal un noir après un...
Il a appelé le Mufalo noir. C'est pas un prénom. Ah oui, il l'a appelé noir. Pourquoi pas. Par contre, je pense pas que tu le prennes avec toi, mon cher Duarte, quand tu te déplaces, hein, concrètement. C'est quoi ça? Enceinte. Ah oui, d'accord. Ok, c'est problématique quand même parce qu'on n'a pas beaucoup de viande. On pourrait éventuellement chasser les mufalos qui sont là, tiens. Ou voire même en apprivoiser un. Ça, c'est quoi? C'est un mufalo mâle. 2 ans. Femelle de 12 ans. Femelle de 9 ans. On pourrait tenter éventuellement d'apprivoiser celui-ci. Ça. On peut éventuellement tenter de le chasser. On va faire comme ça. Viens là, toi. Hop. Pas prioriser quand il est... Non, pas faire ça. Où elle va, la louve? Où elle va? Elle va se rendre ici parce que c'est Duarte qui va s'occuper d'apprivoiser la bête. Ok, d'accord. T'as pas trouvé plus dangereux comme histoire. Elle est où, H? Putain, il va passer devant le warg. Ça me stresse. Je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Non, ça va. Allez, tire-lui dessus. Touche-le, ça serait cool. Vas-y. Ok. Fais gaffe de pas te faire canarder. Ok, nickel. Nickel, ça c'est fait. Prioriser, tu vas le transporter. Voilà, très bien. Ça c'est fabriqué en quoi ça? En marbre. Ok. Ils ont toujours le minage à faire. Ils veulent pas y aller, hein, pour le moment. Donc c'est pas grave. Le warg c'est fait. L'autre il est en train d'essayer de dompter son mufalo. Très bien. Ça tu vas me le chasser. Le dindon. Il nous faudrait effectivement quelque chose qui puisse faire office d'usine à viande. Je pense que vous avez bien vu le coup. Problème, c'est que... peut-être faire un élevage de lapins. Là, il y a l'ours aussi, enfin le grizzly. Oh, regardez, il y a un méga sloth. C'est mignon, ça. Est-ce que je tente un apprivoisement? Légumes, graines, plantes, repas, nourriture transformée, liqueur, croquettes. Pouf, de la liqueur. Parce qu'on a besoin de viande pour faire les croquettes et puis même pour nourrir globalement nos colons, hein. On a besoin de viande. Et c'est vrai qu'on en a pas des masses. Peut-être même limite faire un espèce d'enclos à lapins, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça peut être une solution. Bon, en tout cas. Pour le moment, on va laisser... Oh, ils me font peur à chaque fois. Allez, tu peux l'avoir, vas-y. Eh ben, dis donc. Oh la vache. Eh ben, ils sont pas prêts de bouffer, c'est moi qui vous le dis. Oh la vache. Mais il s'est pas tiré, lui. Ah bah non, il a 4 en tir. D'accord, ceci explique cela. Du coup, oh mon pauvre. Du coup, vous savez ce qu'on va faire? On va lui faire équiper le fusil à pompe plutôt. Parce que bon, clairement, je vois pas très bien ce qu'il peut faire avec un fusil sniper là. Donc, le fusil à pompe sera beaucoup mieux. Voilà.
Oh mon dieu. Ah ça y est, ils ont fini ici. Ok. Structure, mur en grès. Hop, on a besoin d'un mur qui court tout du long comme ceci. Et du coup, ordre, démolir. Ici, je veux que tu casses tout ça. Allez, go. On va récolter le coton bientôt. Ils ont toujours leurs vêtements en lambeaux. Pas très, très, très grave. Pour le moment, je pense. Plafond rocheux, carrelage en métal. Vitesse de déplacement 100%. Ok. Ok. Ensuite aussi, on va faire un truc. C'est qu'on va... on va s'éclairer avec des lampes. Hein, il n'y a pas de raison. Ici, on a une seule batterie. Peut-être un jour en construire une deuxième. Même si pour le moment, je pense que c'est pas dans le top de nos priorités pour le moment. Ici, normalement aussi, ordre, structure, mur en grès. On a une pièce. Tac. Comme ceci. Ah, ils vont se coucher. Allez, super vitesse. Moi où ? Ah non, on l'a pas encore accouché. On va avoir un problème avec les huskies par contre. Hein. Clairement, là, il va y en avoir beaucoup trop. Ça, c'est un problème. Moi, ça m'inquiète. Parce que... après, on peut éventuellement songer... jeune husky femelle. Ok. Jeune husky mâle. Jeune husky mâle. On peut éventuellement, je sais que c'est pas très beau, mais songer, songer à battre la portée qui va arriver là. Je sais que c'est pas très beau, mais bon. Ils sont en train de s'intoxiquer avec leur plat simple là. Qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi il n'y a plus beaucoup de plat simple? Est-ce que... Lui, il dort par terre, quoi, carrément. Est-ce que... Hop, déjà, voilà. Parce que, à mon avis, il dort par terre. Parce que comme il est pas malade, il y a que des lits médicaux. Il peut pas... vous avez compris. Oh, il a réussi à choper le mufalo. Bon animal. Allez, viens, mon gros. Donc ça, c'est bien. Ça c'est bien parce que les mufalos ils bouffent, ils se nourrissent, pour parler poliment, de. Ils broutent. Donc bon, c'est bien. Et on a un mufalo. Mais. Ma gueule, mufalo mâle. Moi je voulais que tu apprivoises le mufalo femelle de 2 ans. Je me suis trompé, c'était un mâle? Damn it. Bah du coup on va peut-être le tuer. En même temps celui-là il a 2 ans. Celui-là il en a 8. On va abattre celui-là. Désolé hein. Je sais que bon voilà. On en a pas un besoin immédiat. Et ça va nous faire de la laine. De la viande. Je pense pas qu'ils seront tristes si on fait ça. Vu qu'ils ont pas encore eu le temps de s'y attacher. Je crois qu'ils sont en train de miner. Voilà, ça y est, c'est fait. Ah, après, regardez, croissance de la laine. On peut... croissance de la laine, on peut... On peut... Je pense... Non. Comment... oh, le chien qui transporte le cadavre du mufalo, lol. On peut, a priori, du coup, leur couper la laine, effectivement. Je sais pas comment. Peut-être qu'il faut attendre que ce soit arrivé à 100%. Et ils le font tout seuls. Ou alors il faut des ciseaux. Je sais pas du tout.
Je ne sais pas du tout, du tout, du tout. C'est pas très grave. Donc là, ils font quoi? Ils sont en train de miner? Ouais, ils minent. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. Bah écoutez. Ça avance, gentiment mais sûrement. Donc c'est cool. On va pas se lancer là pour le moment dans le réaménagement de ça. Je vais d'abord finir ici. Je vais d'abord finir ici. Ça c'est du sol en carrelage en granit. Sol, du granit. Est-ce qu'on en a encore? Du grès, on en a beaucoup. Du granit, on en a pratiquement plus. C'est dommage. C'est dommage parce que... Parce que je ne pourrais pas... Non, c'est que du grès partout ici. Que du grès. Là, il y a du granit. 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 Hop, on va ramener le granit. On finira le carrelage ici en granit. Et ici, on va carreler en grès. Hop. Voilà. Allez vous coucher. Vous avez bien mérité une petite soirée de, une petite journée de repos. Ouais, une petite nuit de repos quoi. Vous avez compris. Opportunité d'attaquer des bandits. Apparemment, des bandits basés non loin ont attaqué leur caravane. Ils vous demandent de détruire leur base, c'est-à-dire de détruire leur tourelle et d'éliminer tous les hommes présents sur place. Si vous y arrivez, vos relations vont s'améliorer en retour et vous offriront ceci. Ah oui. Ah oui. Mais nous, on n'est clairement pas prêt pour faire un truc pareil. Non, 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 non. Clairement pas. A été porté par un mort, a été porté par un mort. Donc ça, et ça, je veux pas que vous y touchiez. Est-ce qu'il reste encore des... Non. Il n'y a pas l'air d'avoir encore des fringues ici. Été porté par un mort, ça tu n'y touches pas. Ça, on va le... Quand on pourra, on va le détruire. D'ailleurs, tâche... Non, il n'y a pas. Ils en sont où là, d'ailleurs? Je leur avais demandé. Ils sont toujours pas, hein. Toujours pas. Je pense qu'il va falloir que je m'occupe de regérer, comme je vous disais, les priorités. Parce que ça va plus du tout. Même sur la bouffe. Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui est censé... Ok, allez. Alors. Cuisine. C'est H. Et ouais, vu que je l'ai mis en... Hop, on va faire comme ça. Cuisine et couture. Artisanat et transport, ça vient après. Ok, il va falloir qu'on va falloir qu'on revoie tout ça. Donc, lui, c'est un mineur. Donc, patient, médecin. Médecin, c'est Gundozer. Donc, patient, médecin, repos. Contrôle. Geôlier. Cuisine, il est à 6. Donc lui, il est à 2 sur la chasse, la construction, ce qui est ferme et la mine. Sur l'artisanat, parce que ça fait beaucoup quand même après, hein. Chasse, construction. Alors vous savez quoi? Tac, tac, tac. On va mettre tout à 3. Pour tout le monde. Hop, hop. On va tout reprendre, vous allez voir. Hop, hop, hop. Et hop. Donc. Hop, voilà. Alors. Notre cher Mutsu. C'est un mineur. Donc, tu vas miner et t'occuper de la ferme et de la construction en priorité. C'est ton boulot. Ok? Ok. La chasse, ça c'est secondaire.
Ok. On va même te mettre en cuisine, mais pareil, c'est secondaire. Ensuite, contre-race. Contre-race, toi, tu ne sais rien faire de spécifique. Attendez, on va le mettre en geôlier aussi, lui, parce qu'il n'est pas mauvais là-dedans. C'est lié à la compétence sociabilité, donc on va mettre Gundozer et Mutsu. Gundozer, tu es le médecin. Et en même temps, tu vas aussi nous faire un petit peu des trucs d'artiste. 1, 2, 3. 3, 3, 3 trucs à 2. Lui, il en a combien? Sans compter pompier. Lui, il en a... Attends, c'est quoi sa passion? Se fait soigner. Ok. Lui, il en a 1, 2, 3, 4 avec geôlier. Mais geôlier, on va pas le compter. Donc 1. Parce que c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc on va faire déjà Gundozer. Elle est à 2. Même l'art, en plus, c'est pas un truc qui prend beaucoup de temps. Donc transport et nettoyage, Gundozer, tu vas t'y mettre aussi. Parce que Gundozer, concrètement, à part médecin, elle a pas de capacité particulière. Ok. Ensuite, contre-race. Joli, on s'en fout. Cuisine, tu es à 6, donc non. On va s'occuper de H, qui est donc notre cuisinier. Et notre dresseur aussi, pour le coup, du coup. Surveillance, 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 surveillance. Surveillance. On va le laisser comme ça. Construction, tu es pas mauvais. Et tu as un petit bonus dans la compétence. Ainsi qu'au minage. Ainsi qu'au minage. Sauf que contre-race, toi, tu fais pas grand-chose. Il nous faut quelqu'un qui forge. Ça va être H. 4. Donc c'est un peu embêtant parce que H, elle est sur énormément de postes en fait. Si on regarde. Beaucoup beaucoup de trucs à faire. Par rapport à ses compétences, hein, du coup. Donc on va mettre uniquement Duarte en dressage. On va lui enlever ça déjà. Ensuite, la cuisine, c'est ta top priorité. H. Cuisine et nettoyage. Non. Le nettoyage, on va le mettre sur lui. Même pas. Sur Duarte. Parce que Duarte, au final, il fait pas grand-chose si on regarde bien. Donc Duarte, tu te mets sur le transport et sur le nettoyage. Tu te mets aussi sur tout ce qui est couper le bois. Et les trucs de ferme. On va te mettre sur la plantation aussi. Ok, il nous reste qui? Il nous reste toi. Alors. Patients, donc ils sont tous à 3. Médecin, ça c'est bon, on a Gundozer. On va même mettre en priorité 1 sur médecin. Repos 3, c'est bon. Contrôle. Contrôle, j'avais mis. Qu'est-ce que j'avais mis sur le contrôle? Contrôle, contrôle. On va mettre Duarte. La top priorité, c'est s'occuper de ça. Geôlier. Geôlier. On a Mutsu. Toi, on va t'enlever ça. Pour le mettre sur. Non, on va le laisser comme ça. Dressage. Dressage. On va mettre H, mais pas en top priorité. Et Duarte. Ok. Cuisine. On a notre cuisinier. C'est bon. Chasse. Chasse. Le problème, c'est que par rapport à la compétence de tir, on n'a pas vraiment. Il faudrait qu'on recrute un bon chasseur du coup. Construction.
Ça, c'est un peu le problème, c'est que pareil, on a qu'un seul constructeur, fermier. Lui, il est bon au tout ce qui est fermitage. Le minage, ok. On va laisser comme ça, je pense. Foresterie, d'accord. Forge. Couture. Le problème, c'est que du coup, regardez, ça nous... On n'a pas... On manque quand même, je pense, de personnel. Pour bien les... L'art, c'est secondaire, on le met plus tard. Hop. Artisanat. Transport. On va laisser comme ça. Nettoyage aussi. Et recherche, pareil. Ok. Bon. Ça devrait être un peu mieux, je pense. Ça devrait être un peu mieux. Et ça va être la fin de notre épisode. D'ailleurs, d'ici peu. Ben voilà, ça y est, ils se remettent à faire à manger. Parfait. Parce que ça allait pas du tout. Attendez, et qui est-ce qu'on a en nettoyage? On a Gundozer et Duarte. Duarte, le nettoyage, c'est la tâche principale. Ok. Bon, normalement ça devrait le faire. Normalement ça devrait le faire. Il y a les toutous qui s'occupent de ramener les... Ça c'est pratique ça quand même. Ah ouais, ça c'est super pratique. Animaux, est-ce qu'ils sont dressés pour ça Transport, non. Donc... Vous allez leur apprendre à faire ça, s'il vous plaît. Ok. Ça m'a l'air good. 82, 90%. On va bientôt récolter le... Ça y est, ils ont fini le pantalon. C'est bien. Normalement, ils devraient aller s'habiller tout seuls, comme des grands. Normalement. Ici, vite fait, avant qu'on se quitte. Tac, 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 tac. C'est où mobilier. Lampadaire. On va mettre... Ça m'embête d'avoir un lampadaire par chambre. J'aime bien qu'il s'éclaire à la torche. Poids. Efficacité de la protection. Peut-être automatiquement ravitaillé avec du bois. Produit un peu de chaleur. Inflammabilité 0. Multiplicateur de prix de vente. Poids. Travail requis. Ok. Ça n'a pas d'incidence sur la beauté, j'ai l'impression. Poids. Multiplicateur. Inflammabilité 100%. Efficacité de la protection 20%, un lampadaire qui carine zone. Bon, ça a pas vraiment de bilan de production, stock d'énergie. Ok, énergie requise 75 watts. Est-ce que, ah, c'est la grande question, est-ce que je les éclaire au lampadaire ou à la torche? Ça, c'est un peu la grande question, hein, les amis. On va éclairer à la torche. Parce que je pense que c'est mieux. En termes de consommation électrique, tout simplement. Ici, hop, on peut péter le mur. Démolir. Et ce sera bon pour cet épisode. Bon, bah vous l'avez vu, hein, c'est... vraiment, on s'occupe de la base, on s'occupe de tout ça. Beaucoup de choses à faire encore, beaucoup de chantiers. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien. C'est toujours 55 minutes d'épisode. Vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Soyez sages, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye.